bien, salut à tous, c'est Mamax. Comment vous allez? Alors moi ça va très bien pour cette soirée. Alors aujourd'hui, je vais vous dire une nouvelle très 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 importante. Eh bien, devinez quoi? J'ai mon bac! Mon corps pour un billet, billet qu'elle veut déshabiller. Pas le temps de s'amuser, ce soir c'est sur moi qu'elle a mise. Elle insiste. Et ouais les amis, j'ai mon bac. Alors comme je vous l'avais dit, si moi j'ai le bac, normalement vous devriez l'avoir aussi. Alors dites-le moi en commentaire si vous l'avez eu. Et ben c'est quelque chose de waouh, c'est waouh, waouh. On a le bac, hein. On a le bac. Est-ce que vous êtes dit une fois dans votre vie qu'est-ce qui se passe après le bac? Non. Et ouais. Là, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce que tu fais après le bac? Non, parce que... Attends. Je te réexplique. Toute ta vie, hein, toute ta vie, depuis ton enfance, on t'a dit, il faut que t'ailles à l'école pour bien travailler, pour avoir de bonnes notes, pour ensuite avoir ton bac. Mais après, hein, c'est-à-dire que depuis le début, le but, en fait, objectif, tu vois, la quête première, tu vois, donc le summum du summum, donc je sais pas comment on dit ça. Le summum du summum, c'était que on ait notre bac. Donc depuis tout petit, on nous a appris des choses, tu vois, pour cet examen final, tu vois, le truc du best du best du le boss de tous les niveaux que tu veux, tu vois. Et une fois que tu l'as battu ce boss, hein, tu vois, une fois que tu l'as mis KO comme ça là, hein, il y en a même qui foutent un petit truc en dernier, tu vois, ça s'appelle la mention. Mais moi, je lui ai juste donné le coup de grâce, tu vois, c'est-à-dire admis, point. Mais une fois que tu l'as eu, hein, tu vois, que le boss, il est par terre derrière, t'as quoi? Hein? Certes, la récompense, c'est quoi? T'as gagné du niveau, hein, les levels, tu les as. T'as gagné quelques points de compétences, tu vois, les expériences, etc., etc. Mais après, t'en fais quoi, tout ça? Tu les mets dans ton inventaire et c'est tout? Toutre. Notre vie, on nous a dit, il faut que tu aies ce bout de papier. Mais jamais on nous a dit ce que tu feras après ce bout de papier, tu vois. Et surtout, c'est que à la base, on te dit juste, c'est ce bout de papier-là qu'il te faut. Hein, et c'est toi qui dois t'orienter, en fait. C'est par rapport à ce bout de papier que tu vas faire une continuité. Mais en général, tout le monde a dit, il faut que tu aies ton bac. Ou alors, il y en a qui te disent, il faut que tu aies ton bac. Et ensuite, on te rajoute, il faut que tu aies un BTS. Et ensuite, on te rajoute, il faut que tu aies une licence. Et ensuite, on te rajoute, il faut que tu aies ton doctorat. Et ensuite, on te dit, il faut que tu sois médecin ou avocat. Non. En fait, on te dit déjà, il faut que tu sois médecin ou avocat. On te dit pas ce qu'il y a pour y arriver. On te dit, sois médecin ou avocat. Voilà. Donc, tout ça, on te le monte à la tête. Mais après, il y en a certains, hein, enfin... Pour moi, encore, ça va, j'ai réussi à m'orienter, à savoir ce que je vais faire justement après. Mais il y en a qui sont dans le cas où ils ne savent pas quoi faire. Mais quand je te dis pas quoi faire, alors je te parle pas des cas où ils n'ont pas réussi à battre le boss. Hein. Je te parle juste des bacheliers, tu vois, qui ont eu leur bac et qui se disent, maintenant, qu'est-ce que je fais, hein? J'ai un bac S sous les mains, mais à quoi ça me sert, justement? Donc, certes, t'as un bac S ou L ou je ne sais quoi. De toute façon, c'est les deux seuls que je connais. Et ben, t'as ça, mais tu sais pas ce que tu vas faire après. Donc, il y en a, ouais, qui vont me dire que, ouais, moi, je sais, j'ai une vie toute tracée, je sais exactement ce que je vais faire. C'est cool. Mais il y en a, hein, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire après. Et donc, du coup, ils sont dans la passe. Et ben, moi, je fais cette vidéo pour te réconforter, mon gars. Il y en a plein qui sont dans cette situation aussi. Tout ça pour te dire que moi, ma philosophie maintenant, c'est que le bac, c'est, ouais, pour moi, juste un bout de papier. Ça me sert de sécurité. Et maintenant, c'est pour moi la liberté de faire ce que je veux. Et quand je dis vraiment ce que je veux, c'est vraiment ce que moi, je veux. Et pas ce qu'on me dit de faire ou on me dit d'y aller, tu vois. On me dit, ouais, tiens, vas-y, prends cette voie. Cette voie va t'amener directement sur un boulot. Ensuite, tu vas très bien gagner ta vie. Ne t'inquiète pas, vas-y, prends... Ouais, non, tourne pas à gauche, tout droit. Voilà. Non, ça, c'est fini. Maintenant, c'est moi qui choisis ce que je vais faire. Hein, et bah, j'ai plein de projets qui sont pas mal cool quand même. Donc, principalement, je vais vous les dévoiler. Hein, mes projets, c'est au final vraiment de devenir